Olivier Judil, j'ai 38 ans, je suis marié. Eh bien, je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'agriculteur. Au niveau de mon exploitation, donc, elle est basée à Pinguilly et Plaigné-Jugon. Je suis associé dans le cadre d'un GAEC avec Antoine. Alors, l'adhésion à la COPERL en 2005, elle allait de soi, je dirais, puisqu'il y avait l'histoire de l'exploitation familiale. Il y avait la proximité aussi. Je me suis installé à 21 ans, donc j'avais besoin d'appui au niveau technique, au niveau vétérinaire. Et bien, la COPERL, c'est aussi une structure qui permet d'évoluer en permanence, que ce soit à l'amont ou à l'aval de notre entreprise. Le dernier point, c'était que je ne me voyais pas exercer ce métier sans avoir une connexion avec l'aval de mon exploitation. Et adhérer à la COPERL, ça me permet quelque part de me rapprocher du consommateur. La COPERL est une coopérative qui se positionne à l'amont et à l'aval des exploitations adhérentes. C'est très important d'être partie prenante des décisions, partie prenante de la gouvernance de cette entreprise, parce qu'au quotidien, elle impacte la vie des adhérents de l'entreprise. Être administrateur à la COPERL, c'est plusieurs missions, plusieurs rôles. Le premier, c'est lors de l'Assemblée générale, nous sommes élus par les adhérents de la coopérative. Et donc nous devons en premier lieu être les porte-parole des adhérents. Le deuxième point, c'est qu'on doit aussi expliquer les décisions à ces adhérents. Parce que ce n'est pas forcément évident quand on est sur son exploitation de se rendre compte de ce qui se passe partout ailleurs. On a un rôle de représentation. Il faut imaginer que la COPERL n'est pas connue de tout le monde et qu'il faut expliquer ce que l'on fait à la fois au grand public, au pouvoir politique, aux administrations publiques. La COPERL évolue, avance continuellement et à un moment donné, le conseil d'administration, c'est l'organe qui prend les grandes décisions stratégiques et d'orientation de l'entreprise. En appui évidemment avec le conseil de direction. Je retiendrai audacieuse, innovante, exigeante et solidaire.